Eh bien, bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, nouveau témoignage, je suis avec Emmanuelle, une de mes membres, qui a terminé le programme Je change mon corps et qui va vous faire partager son expérience. Bonjour Emmanuelle, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ça Bon, va? ben Emmanuelle, bon, on se connaît déjà depuis un petit peu de temps, depuis quelques années, hein. Quand je t'ai parlé de mon programme d'entraînement, t'as pas hésité longtemps, tu me dis, tu m'as fait confiance. Et déjà, je te remercie. Et ben, dis-moi comment tu étais avant de commencer le programme. Et voilà, je te laisse parler. Vas-y, c'est à toi. Alors, avant de commencer le programme, bon, moi, je suis pas une grande sportive. Pu le remarquer. Je fais ça d'abord pour des raisons médicales, pour entretenir voilà mon organisme. Et donc, quand tu as parlé du programme, j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'être soutenue et d'être encouragée. Alors, comme tu l'as dit, on se connaît depuis déjà un petit moment, puisque je suis ton coaching de façon régulière, mais pas aussi soutenue qu'avec le programme. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était bien pour m'encourager un peu plus. Comment t'as trouvé les séances vidéo? Alors, je trouve que les séances vidéo sont très sympas parce qu'on retrouve toute ton énergie, voilà, et tes encouragements. Donc ça, je trouve que c'est super. Et comme c'est en vidéo, on les fait exactement quand on peut parce que moi aussi, c'est un problème aussi pour moi Timing ou pas? d'arriver à caser ça dans le planning de la journée. Donc, grâce aux vidéos, ben, on fait ça, on casse ça exactement comme on peut. Donc, ça, c'est super pratique. Ça, c'est génial, hein. Je sais que tu as un travail qui est prenant. Tu n'arrêtes pas toute la journée. Des fois, pour les rendez-vous coaching, tu me disais, ben non, là, je ne peux pas aujourd'hui, mais on se rappelle demain. Voilà. En rebondissant, alors, sur l'alimentation, est-ce que tu as pu mettre des choses en place? Est-ce que tu as changé des choses? Alors, sur l'alimentation, là, c'est aussi un petit peu difficile pour moi parce que à partir du moment où j'ai prononcé le mot régime ou limitation, ça y est, je suis frustrée. Donc, c'est très compliqué. Et puis, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à mettre en place en famille. Peut-être quand on a des enfants plus jeunes, c'est plus facile, mais quand on a des enfants ados, c'est plus compliqué, surtout quand elles prennent un peu la place dans la cuisine. Mais grâce à tes conseils, j'ai quand même limité un certain nombre de choses. Après, j'ai pas non plus une alimentation Oh, tu manges bien, toi. Tu manges bien. très exagérée. Voilà, je mange beaucoup de légumes et j'aime les légumes vapeur, ce qui est un peu bizarre, mais mais voilà, c'est. Pour moi, mais ça m'a quand même permis de mettre des petites choses en place. Et voilà, Et tu as j'ai trouvé ton rythme. Tu sais, je me souviens, on avait trouvé une un discussion. rythme, exactement. Tu as trouvé ton rythme à toi. Hein, c'est ce qui est important, c'est trouver ton rythme avec ta famille, avec tes enfants, ton mari. Voilà. Je t'ai donné des pistes, je t'ai donné des conseils pour mettre tout ça en place. Mais après, toi-même, tu as trouvé ce qu'il te fallait. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est ce qu'il faut faire, hein, d'ailleurs. Hein. Il faut essayer de l'adapter en fonction de chacun et en fonction de son rythme. Est-ce que tu l'as trouvé? Je sais qu'à un moment donné, tu avais des petits problèmes de ventre, tout ça, on en a parlé. On a essayé de trouver des solutions justement pour que ce soit mieux. Et tu as réussi, tu as passé le cap. Et je te félicite pour ça, c'est très très bien. Merci Seb. Comment tu as trouvé les séances coaching? Ah bah les séances coaching, c'est super, surtout en ce moment. Oui, ben oui. Cette période un peu particulière. Donc, non, ça, c'est vraiment super. Mais bon, moi, ça, je suis convaincue de tes séances coaching depuis déjà un certain temps. Donc, ça n'a rien changé à mon opinion. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, alors, le résultat que tu as eu de ce programme en finalité, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, j'ai quand même perdu 5 kilos. Bien. J'avais pas un objectif précis. C'est pas ton objectif principal à la base, mais c'est bien. J'avais pas besoin particulièrement d'une perte de poids parce que je suis pas en surpoids ni rien. Moi, c'est surtout pour de l'entretien physique. D'abord parce que j'ai passé 50 ans et que c'est aussi important. Donc quand même, je suis contente parce que j'ai perdu 5 kilos grâce à tes séances. Ça m'a permis de faire du sport beaucoup plus régulièrement. Ça, c'est vrai que ce que je faisais avant. Donc ça, c'est super. Et puis les petites séances de 10 minutes qui sont débloquées sur la dernière période, c'est top. Parce que même quand on n'a pas le temps, bah, faire 10 minutes d'abdos, 10 minutes de cuisses ou 10 minutes, voilà, finalement, c'est très facile à caser. Donc voilà, puis grâce aussi aux conseils alimentaires. Donc non, je suis contente du résultat
obtenu. Oh, ben super. Est-ce que tu le recommanderais ce programme à un ami, à quelqu'un qui voudrait perdre du poids? Ah bah oui, assurément. Ça, je recommande ton programme. Je pense que voilà, même quand on ne cherche pas forcément à perdre du poids, bah, les résultats sont là. Donc, et puis on a vu parmi les autres témoignages qu'effectivement, il y a des résultats. Donc c'est super. Et puis bon, grâce à ton peps, à ton dynamisme, c'est vrai que ça aide beaucoup. Ouais. Le suivi régulier et les encouragements, ça aide énormément. Voilà, le soutien, c'est capital. Non, mais c'est bien, Daniel, parce que tu n'as pas lâché, toi. Hein. Tu n'as pas arrêté. Même, tu as des journées qui sont assez chargées. Des fois, tu me dis tes journées, tu finis de travailler à 20 h. Ben, tu trouvais le temps de faire une petite séance par-ci, une petite séance par-là, de faire attention à ton alimentation, préparer tes repas. Et c'est plutôt bien parce que tu t'es accroché pendant tout le programme et tu n'as pas lâché. Hein. Autant avant le programme, c'est vrai qu'on se voyait, mais on se voyait une fois tous les 15 jours. Ouais. Des fois, pendant les 15 jours, ben, tu ne faisais pas grand-chose. Ou un peu de marche ou des choses comme ça, que là, pendant 3 mois, tu t'es donné à fond. Et moi, j'ai trouvé que c'était bien. Tu t'es motivé en faisant les lives sur le groupe privé. Des fois, tu les faisais, tu me dis, j'ai fait en replay. Non, c'était vraiment bien. Je trouve que t'as passé un level supérieur, quoi. T'as passé un level supérieur et c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, tu viens de le dire, parce que quand tu es rentré dans le programme, t'as pas forcément. Ton objectif, c'était plutôt de garder la forme et passer les 50 ans bien. Eh bien, en finalité, tu as perdu 5 kilos. Tu vois, en te mettant, c'est plutôt génial. Tu t'y Oui, tout attendais à pas. fait. C'est plutôt bien. Donc voilà, est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Emmanuel? Ben non, je peux que encourager à souscrire à ton programme. Voilà, c'est tout. Mais très bien, Et te Emmanuel. remercier. Ben, je te remercie. Voilà les amis, c'était le témoignage d'Emmanuel. J'espère que ça vous a plu. Et ben moi, on vous dit d'ailleurs, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao! Revoir.